Hello, hello les smilettes! Aujourd'hui, on se retrouve pour ça, pour l'ouverture de la Birchbox du mois de février. Alors, je ne suis pas du tout allée voir sur le site, j'ai pas voulu voir même sur Instagram, j'avais entreaperçu Birchbox et tout. Je dis non, je veux rien voir, je veux vraiment que ça soit la découverte. Excusez-moi du bruit, hein, je l'ouvre en direct. Et on va l'ouvrir ensemble. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle la boîte! Génial! En même temps, vous pouvez retrouver une vidéo sur ma chaîne où soit elle va être avant ou après pour comment commander la Birchbox et vous en parler un petit peu car j'ai eu des abonnés qui m'ont demandé en fait de faire cette petite vidéo, donc je vous l'ai faite. Regardez-moi ça. Alors, elle se trouve avec un petit nœud, donc c'est pour soulever, hein, ça va être sympa. Des couleurs douces, rose, grise. Donc eh ben, on y va, on soulève. Je regarde, moi, au cas où tu aurais une surprise. Donc là, c'est rose. Rose, rose, rose. Je vais poser le menu à côté de moi. Et on va lire la première page. À nos amours. Partout le mois de février célèbre l'amour. On devrait le célébrer tout le temps, l'amour. Pas que le mois de février. Chez Birchbox, nous avons aussi décidé de fêter l'amitié. Oh, bah tiens. Pour réchauffer l'hiver, rien de mieux en effet que de passer de bons moments avec les gens qu'on aime. Pour l'occasion, nous avons imaginé une collection de 3 bracelets, donc Love Bracelet, à collectionner à vos poignets et ceux de vos amis que rejoindront l'aventure Birchbox ce mois-ci. Et puis, comme votre meilleur ami, c'est avant tout vous-même, pensez à vous dorloter, à prendre soin de vous. On a glissé tout le nécessaire dans votre box. With love, l'équipe de Birchbox. Yeah, yeah, yeah. L'album photo du mois... Tata, je suis en train d'un peu regarder, je regarde pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, ben c'est parti. Alors, il parle justement des bracelets. Donc, il parle de l'offre sur le shop. Donc, un vernis acheté égale un mini dissolvant Leave No Trace offert avec le code DUO ici. En deuxièmement, profitez de vos avantages abonnés sur une sélection haute en couleur, moins 15%. Les coups de cœur. Ce mois-ci, célèbre l'amitié. Partagez l'aventure Birchbox avec vos amis, collectionnez nos 3 Love Bracelets, valeur 15€ pour chaque parrainage. Voilà. Alors, ce sont de grands produits. J'allais dire, je ne vois pas le make-up, mais si, j'en vois un. De grands produits. Le premier que je vois, c'est la crème Polar Nuit Polaire, crème revitalisante aux algues boréales qui se présente comme ceci. Comme ceci. C'est, vous savez, comme les tubes de l'Occitane. Donc voilà, alors on va la trouver. Alors, c'est une crème à la base qui fait 50 ml pour 42,90€. Donc on a un bel échantillon. Est-ce qu'ils mettent... Combien il y en a là? Il y en a quand même pas mal pour bien se rendre compte. Hein. L'actif phare de votre crème de nuit est une algue boréale qui réagit à la lumière de la lune. Produit de la phytomélatonine et booste la régénération cellulaire, dormez bien. Je vais quand même pas aller me mettre sur le balcon pour que la lune elle, actionne les actifs. Hein. L'effet pour revitaliser au petit matin. Nos conseils pour garder une peau souple en hiver, ils sont sur l'encyclopédie Birchbox. Donc voilà. Donc ça, je ne vais pas la tester maintenant parce que je suis en train de tester pas mal de crèmes là. On va la laisser de côté, mais je la testerai. Ensuite, je prends CC Shampoo, la marque Riche. Bah, dis donc, maintenant, on ouvre la bien, ils nous font plus de la CC crème pour le visage, mais pour les cheveux. Alors, je ne connais pas du tout. CC, alors 250 ml, 14,90€. CC comme les soins multifonctions qui soignent en embellissant immédiatement. Il va donner à vos cheveux de la force, de la brillance et une odeur hyper gourmande. Des huiles d'argan, de soja pour lisser, de l'extrait de grains de raisin pour protéger de la chaleur. Alors le problème, c'est que moi je ne me lisse pas les cheveux. Donc ça ne va même pas être utile. Je pense que je vais le donner à Lisa. Je vais l'utiliser. Oui, ça a des notes gourmandes un peu mûres, cassis, je trouve. Je vais l'utiliser juste pour voir au niveau de la douceur, de la brillance et tout ça. Mais je pense que c'est plus pour Lisa, car des fois, elle se lisse les cheveux. Ensuite, autre produit. Thermalive, l'enveloppement de Balaruc, les bains à la boue thermale, qui se présente
comme ceci. C'est un gros tube aussi de 50 ml. Enveloppement de balayoute les mains à la boue thermale, 250 ml, il vaut 11,40 €. D'utilisation à ce soin spa purifiant. Faire la peau douce ou détendre les articulations. Idéalement, réchauffer votre soin au bain-marie, pas plus de 45 minutes pour ne pas se brûler. Baladine, si elle fait ça, là c'est clair qu'elle se brûle. Laissez-le poser 15 à 20 minutes, enveloppé d'une bande de gaz pour un usage décontractant. Ça peut plaire, mais moi ça me plaît pas. C'est pas quelque chose appliqué donc mon coucher épaisse homogène sur la partie du corps à traiter, laisser poser 10 minutes environ, puis rincer à l'eau claire. Ah là oui, c'est mieux expliqué que là où c'est moi qui sais pas lire, qui comprend pas, qui analyse mal. Donc en fait, aux propriétés reminéralisantes et apaisantes, donc un endroit où on peut avoir mal, par exemple comme moi j'ai mal à mon épaule par moment, je peux le faire chauffer donc au bain-marie, ça j'ai un peu peur, et ensuite l'envelopper je pense avec du papier film, comme j'ai une crème comme ça qui chauffe, donc pourquoi pas. Alors pareil, ça je vais pas tester ça maintenant, je vais pas me foutre un coup pour la tester hein. Ensuite on a un petit échantillon de Absolution. Donc maintenant je connais cette marque là parce que dans la Birchbox on la retrouve très régulièrement. L'eau soir et matin, biodémaquillant yeux et visage, purifie et tonifie, qui se présente comme ceci. Donc 150 ml, 34 €. L'huile essentielle d'hélicryse, je connais pas. L'huile essentielle d'hélicryse qui active la circulation sanguine. Huile de noisette adoucissante. Donc adaptée aux peaux sensibles. Et ben pourquoi pas, on la testera aussi. Est-ce qu'on peut sentir? C'est une odeur, oui, d'huile essentielle, ça c'est sûr. Et le dernier produit, on retrouve un produit LOC, qui se présente comme ceci. Je pense que c'est un rouge à lèvres. Ah oui, ils avaient demandé la couleur en email de ce qu'on voulait. Ce rouge à lèvres made in USA, imaginé en exclu pour la Birchbox, glisse en douceur sur vos lèvres pour y laisser un impeccable fini mat, longue durée, facile à appliquer. On l'a adopté. Il fait 6 grammes pour 8,50 €. Et là, eh ben, c'est le full size. 8,50 €. Disponible en 3 couleurs. Oh là, attends, Sandrine, tu fais quoi là? S'il fallait que je tire. Ça se présente comme ça. Voilà. Et c'est un effet mat. C'est un effet mat, mais ça fait en même temps velours quand on l'applique. La couleur, c'est une couleur que j'adore. J'adore les rouges comme ça. Voilà. Donc pareil, à tester et je vous redirai ce que j'en pense. Par contre, exfoliez bien vos lèvres avant pour celles qui l'ont, parce que je pense que les petites ridules, les petites peaux et tout ça, ça va se voir. Voilà. Donc ça, c'est une découverte. Hein. De toute façon, tous les produits, là, c'est des découvertes au niveau des marques, sauf Absolution, où je commence à connaître plus cette marque. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que je dirais sur cette box du mois de février? Moi, quand j'ai vu la box, c'est mon avis, hein, tout le temps. Quand j'ai vu la box, je me suis dit, voilà, le design, on commence bien. Et ensuite, à l'ouverture, un petit peu moins, voilà. Un petit peu moins, bon là on va rester, oui, pour l'amour, la Saint-Valentin, sur ce côté la make-up qui va donner cette petite touche-là au niveau de Saint-Valentin d'amour. En ce qui concerne les produits, c'est vrai que c'est pas évident de juger au niveau des produits, de savoir quoi mettre dans les thèmes quand il y a un thème bien précis. Mais vous voyez, je veux dire que ça aurait pu être très bien au niveau de janvier, au niveau de l'hiver. Parce qu'on a une crème de nuit polaire, soin, cheveux, il y en a très régulièrement. La crème, quand on a mal avec le froid aussi, les rhumatismes et tout ça. L'eau micellaire, bon, non, c'est même pas une eau micellaire, c'est une eau biodémaquillante. Voilà, donc ce mois-ci, pour la Saint-Valentin, je serai pas trop, voilà. Je suis pas déçue non plus, mais un petit peu quand même. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez et si vous avez vu quelque chose de différent dans votre box. En tout cas, le rouge à lèvres, là,
Il m'a l'air d'être bien, bien, bien pigmenté et puis même, et je pense qu'il va bien tenir aussi. Je pense qu'il va bien tenir. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.